Bienvenue dans le chalet Léon! Hey! Ah. Aujourd'hui, on reçoit Denis Richard. J'aimerais que tu nous parles de ton père et de l'influence qu'il a eu sur toi par rapport à la musique. Ah, mon dos, c'est ça, moi. Je suis né à Sainte-Dorothée, Montréal, à Sainte-Dorothée, à Laval, à Sainte-Dorothée. Je suis né là, moi, de parents acadiens. Mon père, il était violonneux, il était excellent violonneux, mais il était machiniste aussi, parce qu'à l'époque, c'est quoi ta vraie job, un peu comme aujourd'hui. il était machiniste la semaine, et sur la fin de semaine, il faisait plus d'argent à jouer du violon. Il y avait un accordéoniste, une belge, tout ça, il jouait du violon. Mais quand il y a eu mon frère, plus vieux, ça allait, mais quand moi je suis né, mon père était obligé d'arrêter de jouer. Ma mère a dit, ah non, là, avec deux enfants, faut t'arrêter. Ça fait que c'est moi qui ai arrêté mon père de jouer de la musique. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'on est déménagé au Nouveau-Brunswick. Et j'ai grandi à Petit Rocher. Mm-hmm. Et puis là, ben, je jouais avec lui, je jouais des rides de bébelle, puis du folklore, et tout ça. Et mon papa a du violon, puis je faisais des cours de guitare classique. Puis les fins de semaine, je jouais dans un bar à 14 ans. Puis... Ça t'a amené à faire de la musique très jeune. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, j'ai jamais arrêté de faire de la musique. Puis à 12 ans, j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai gagné le galette de chansons de Caracat à 12 ans. Je l'ai regagné à 17 ans. Parce qu'à 12 ans, j'étais un petit gros balourd. J'avais agressé pendant 2 ans. Puis à 17 ans, ben, je ressemblais à ça avec des cheveux. Plus beau, plus jeune, plus fou. Eh bien, c'est ça. Puis là, je me suis mis à tourner. Parle-nous donc du contexte de la prochaine chanson. Ah, ben oui, c'est ça. Puis moi, à l'époque, c'est ça, j'étais assez rocker. Puis au piano, je faisais des tunes à la Pierre Flynn. J'ai vu Pierre d'ailleurs hier, c'était hallucinant. Mais au piano, c'était, tu sais, octobre, puis des choses comme ça. Puis à la guitare, ben, c'était plus rocker. Tu sais, ça fait quand même un bout de temps de ça. Mais un jour, j'étais à La Rochelle. J'ai tourné, j'avais 19 ans, je sais pas, j'étais à La Rochelle. Puis c'était la dernière année, anecdote, c'était la dernière année que ça s'appelait le Festival de La Rochelle. Puis j'étais à la table avec Bernard Mounier, qui était directeur à l'époque, puis il a reçu le coup de téléphone de Jean-Louis Foulquier, qui l'a appelé, puis il dit « Les francopholies ». Là, il dit « Ah, oh, Denis, les francopholies, ça sonne bien ». Je dis « Ouais, ouais, prenez ça ». J'étais à la table quand Foulquier a appelé Mounier, mais il m'a demandé mon avis. J'ai dit « Ouais, les francopholies, ça fait de l'allure ». En tout cas, puis là, je suis en tournée là-bas, pas toi, Charente-Maritime, puis... Puis après un show, un soir, j'étais à une petite table, un petit bistrot, je sais pas ce que je faisais là. Je prenais une bière, comment? Et puis, je me suis mis à écrire sur mon apron toutes sortes de phrases de mon petit village que je croyais détester tant. Parce que quand t'es jeune, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'en aller. Ton village, c'est pas assez grand pour toi, tu veux faire le tour du monde. Alors, tu sais, j'avais assez de sacrer mon camp de là, puis j'avais le meilleur moyen de locomotion. Ça fait que justement, à 18-19 ans, j'étais rendu quelque part à La Rochelle, quelque part en Charente-Maritime, et j'ai commencé à écrire des phrases de ce petit village-là. Et puis, j'ai écrit cette chanson-là qui s'appelle Petit Rocher. Mais tu sais, écrire une chanson là-dessus, il faut que ça soit folky, il faut que ça chante autour d'un feu. Tu sais, une chanson sur ton village, ça peut pas être trop heavy. Ça fait. J'ai mis une petite tune comme ça. Et puis, cette chanson-là, elle est chantée, mais partout. Je reçois des chèques du Maroc de cette tune-là. Je comprends rien. Elle n'était pas indiquée. J'arrivais, les gens la connaissaient. Ah ouais, c'est une chanson. De bord de feu, on chante ça. Ouais, 7-8 ans passés, j'étais. Feu, oui, mais à un moment donné, j'étais à la marina de l'île de Ré, une grosse marina qu'il y a là, Saint-Martin. En tout cas, grosse marina à l'île de Ré, il y avait 5000 personnes. De là, avec mon band, je fais la toune, à la fin de la toune, la façon qu'elle est construite, j'arrivais à la fin de la toune, puis tout le monde s'est mis à chanter comme si j'étais à Tirocher, ou à Prendvart, ou à Bert, tu sais, ou à Bonaventure, tu sais. C'était incroyable. Mon band m'a regardé avec la mâchoire en bas de la face. Tu es venu ici? C'est une petite tune qui est comme ça. C'est un genre de chanson qui est... Des chansons, c'est comme les enfants. Il y en a qui sont plus réservés, il y en a qui sont plus intellectuels. Et celle-là, elle rentre partout. Elle connaît tout le monde, elle rentre partout. Tu veux que je vous la fasse? Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Tu veux que je vais faire caparager. Et ceci, Petit Rocher. Yeah! Yeah! Puis il y en a qui est content. On a assez ça? Yeah. Puis à la fin de la tune, vous allez chanter. Non, il n'y a pas de question. Hein? Vous allez chanter, vous allez voir, vous allez chanter. Ça va être ça. Les nuages me pissent. Quand le soleil me brûlera le cul, cette année, je m'en irai dans des voyages jusqu'à pas de soleil, pis pas.
pas de nuages. Mais là, le soleil vole, les nuages sont aux oiseaux. J'entends les couleurs chanter, parce que les fleurs viennent canter. Oh, ouais. Puis je m'en vais, au petit rocher. Au pied du rocher, au petit rocher, solo. Ma page, toutes les vagues sur la plage et les mots glissent dans mes refrains comme du sable dans mes mains. Je tiens la mer entre mes pieds, au pied d'une roche, un petit rocher. Et comme on regarde jouer des enfants, moi je regarde les goélands qui dansent une ritournelle en se tenant par les selles. Ils jouent tout. J'en aurais même pas parlé. Non, mais je serais à m'ennuyer. Au pied de la roche, à petit rocher. Dès là, le soleil est beau. Les nuages sont aux oiseaux. J'entends les couleurs chanter. Parce que les fleurs viennent compter. Oh, ouais. Puis je m'en vais, à petit rocher. Au pied de la roche, à petit rocher. Prochain. Avec beaucoup de son, très très fort. Ils font des longues, longues tunes. Ils dorment 7 d'une heure. Des fois, il y a 6 chansons avec plein de textures, des claviers, des guitares électriques super fortes. Et puis là, ben, on se fait un vrai shed avec une version acoustique quasiment country de leurs chansons. Fait qu'on est bien, bien contents de ce que ça donne. C'est vraiment le fun. De la gravité.
s'emparer d'une corde et vouer à l'usure. Dernier tour devant mes yeux se délite jusqu'à la Dis-nous que là.